Vous allez bien. Oh, je suis en train de mettre de l'eau partout. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais vous emmener avec moi ce week-end. J'ai quelques petits trucs de prévu. On est vendredi, je travaille évidemment. Normalement c'est pas le jour où je vais sur place au travail, je suis généralement en télétravail. Mais comme aujourd'hui il faut que je sois en ville rapidement dans l'après-midi, et bah du coup je vais sur place. J'ai rendez-vous à mon université à 15h45 et comme c'est juste à côté de mon travail, ça fait déjà quelques semaines que j'ai pris l'habitude le matin de me laver le visage avec un peu d'eau, et en ce moment je me passe un glaçon sur le visage histoire de réveiller mon visage, décongestionner mon visage. Honnêtement il n'y a rien de mieux pour me réveiller et ça fait tellement du bien, c'est incroyable. Je suis pas forcément ultra à l'heure donc faut quand même que je me dépêche. En ce moment, malheureusement, je me couche assez tard. Les raisons pour lesquelles je me couche tard sont des bonnes raisons, entre guillemets, parce que je fais des choses qui me plaisent, et notamment de la création de contenu, que ce soit pour moi, mais aussi pour un projet de cours. Cette session, j'ai un cours qui s'appelle Gestion de projet événementiel, et comme son nom l'indique, on doit réaliser un projet événementiel. Et du coup, dans ce projet-là, je suis responsable de gérer les réseaux sociaux, de faire la création de contenu pour les réseaux sociaux. Bah, ça m'a motivée de ouf, j'adore ça. Ça m'a motivée aussi à faire plus de création de contenu pour moi, pour mon Instagram, parce que j'ai vraiment laissé mon Insta à l'abandon ces derniers temps. Enfin, ça fait peut-être un an que j'ai vraiment abandonné mon Insta et que j'ai pas posté depuis vraiment longtemps. C'est un peu mon objectif aussi ce week-end, c'est vraiment de bosser sur mon contenu Insta et voir ce que je fais, si je me crée un nouveau compte, si je change mon compte en privé, si... Bref, parce que du coup j'aimerais vraiment que mon compte reflète un contenu similaire et qualitatif. Et du coup c'est ça, genre je sais pas si je recrée un compte ou pas. Bon, je vais m'habiller, je vais me préparer. Aïe, faut que je charge mon téléphone. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Pour se préparer, rien de mieux qu'un peu de musique. Il faut vraiment que je me rachète un casque, parce que là vraiment c'est catastrophique, regardez-moi ça. J'ai juste scotch partout, il n'y a plus de cuir, c'est... Mais il marche, donc ça me fait chier d'en racheter un, mais bon là en termes de qualité, j'ai honte. Bref.
of guys so sentimental. I'm not wearing suit and tie. It's so not like me to let someone in this place. So but you fit like a glove, and I can't avoid this magnetic love. Got me out of control. Oh God. Franchement, il y a vraiment pire comme vue pour manger. Je trouve la vue absolument incroyable. Bon, là, on voit pas très très bien puisque c'est un peu genre agrandi. Juste là, tous les arbres et tout qu'on voit. Mais on le voit pas très bien sur la vidéo, mais genre c'est vraiment magnifique. J'adore. Puis en plus, en ce moment à Montréal, il fait vraiment beau quasiment tous les jours. Tous les jours, il y a un ciel bleu avec gros soleil et tout. C'est vraiment trop agréable. Je suis sortie du taf et là je vais à l'UQAM parce que j'ai rendez-vous pour être bénévole à un événement qui s'appelle le KGP. C'est un événement gestion de projet. Je suis un peu à la bourre et après j'ai rendez-vous avec un ami, une connaissance, pour parler d'un autre projet. Et ensuite ce soir j'ai danse. Voilà, journée très chargée. Je vais rentrer ce soir, je vais me poser et je vais dormir parce que c'est week-end. Mais que demain matin, même si c'est samedi, faut que je me lève de bonne heure. Donc ça va pas vraiment être un week-end repos. Bon, au final, la personne que je devais voir cet après-midi ne me répond pas. Bah voilà quoi. La réunion était plus rapide que prévu, donc du coup je vais rester là, à l'UQAM, vu que de toute façon ma danse c'est au centre sportif qui est genre à 200 mètres, même pas. Je vais bosser, parce que j'ai la création de contenu à faire pour l'événement de mon cours. Il est 17h, donc j'ai 2 heures à perdre. Ah ok, elle vient de me répondre, elle m'a dit qu'elle était en route, donc je vais l'attendre. Hello, je viens de me lever. En soi, je suis réveillée depuis un petit moment, mais j'ai un peu somnolé. Donc au final, il est 9h. Hier, j'ai arrêté de filmer parce que après la danse, parce qu'en vrai, je suis rentrée. Je me suis acheté une pizza en route et j'ai mangé. Puis je me suis juste posée tranquillement. Là,
J'ai une sorte de rendez-vous à 10h30, mais avant ça, j'aimerais bien sortir, marcher un tout petit peu, prendre l'air et aller faire des courses parce que ça manque d'affaires dans mon frigo. Et je suis pas sûre d'avoir le temps ce soir parce que ce soir, je vais à un concert. J'ai trop trop hâte parce que je vais voir Miles Smith. Vraiment, j'ai pris la place il y a longtemps. Je pense que la place, j'ai dû la prendre au mois de mars, avril, je sais plus, mais vraiment je l'ai pris il y a très très longtemps et du coup j'avais pas payé très cher, genre l'équivalent de 30€ je crois, mais c'est ça, le concert est à 20h, j'ai quand même envie d'être là-bas assez tôt, et comme je sais pas trop comment va se dérouler ma journée, là je me suis fait un petit thé, faudrait que je sois partie dans 20 minutes, je suis pas trop totalement réveillée là, c'est le matin, par contre qu'est-ce qui fait beau, regardez-moi ce soleil qui m'éblouit genre, c'est pour ça que là j'ai envie d'aller profiter de sortir un peu parce que potentiellement je vais rester enfermée toute ma journée, j'ai envie de profiter du soleil un minimum. Le truc que j'aime le plus avec Montréal, c'est qu'il y a des parcs absolument partout, ils sont hyper grands, ils sont tous aménagés avec des tables de pique-nique, parfois des aires pour faire des barbecues, des terrains de basket. Cet été, il y avait des piscines qui étaient ouvertes gratuitement en extérieur. Et là, genre la saison automne, sortir, se balader dans les parcs et tout, avec les couleurs, c'est incroyable. C'est vraiment ce que je préfère faire. Et si j'avais eu plus de temps aujourd'hui, j'aurais fait une grosse balade. Par contre, marcher et parler en même temps, l'enfer. Je peux pas, je suis essoufflée au bout de 5 minutes. J'ai pas hâte à cet hiver parce que j'ai un peu peur du froid qu'on va avoir. Mais j'ai hâte de sortir me balader dans les parcs sous la neige et tout. Ça va être incroyable. Voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai pas fait un plein complet parce qu'il me restait quand même des trucs. Mais j'ai notamment acheté de quoi faire de la purée parce qu'en ce moment j'ai une passion pour la purée. De la ratatouille également. Des œufs. Il me restait encore pas mal de viande au congélo. Et c'est ça, en fait, c'est surtout des légumes qu'il me fallait. Mes biscuits préférés pour le matin. J'ai acheté du chai latte. Enfin du chai, du thé chai épicé. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'adore les chai latte, mais j'en ai jamais fait moi-même. Je sais pas si j'ai pris le bon chai, je pense, parce que c'est du chai épicé. Bref, on va tester. Ma coloc, elle a une machine à café, il y a un mousseur de lait dessus. On va essayer de se faire des chai latte, mais pas aujourd'hui puisque j'ai la flemme. J'ai pris, ça c'est mes yaourts. Bref, vraiment, si jamais vous en trouvez, c'est absolument incroyable. Il y a genre une sorte de gelée aux myrtilles. Alors ici, ils appellent ça des bleuets. Mais c'est ça, et c'est vraiment genre incroyablement bon. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça quand elle est venue ici. Et depuis, j'adore. Et du coup, pour tout ça, j'en ai eu pour 45$ plus
18$ parce que j'ai fait des courses à la fois chez Dollarama et chez Segal, qui est une épicerie près de chez moi, qui est vraiment pas chère aussi. Et sinon, généralement, la viande, je l'achète chez Maxime, et comme je vous ai dit, il m'en restait, donc je suis pas passée là-bas. Au final, changement de plan, parce que j'avais prévu ce matin à durer moins longtemps que prévu. On va sortir, on va faire des choses de cette journée parce qu'il fait beau et que j'ai besoin de sortir. J'ai un pote qui m'avait proposé de l'accompagner pour les portes ouvertes à l'UQAM. C'est de midi à 16h, en sachant que là il est 13h et que tous les deux respectivement, faut qu'on mange et qu'on se prépare. On va pas être là-bas avant au moins 14h, 14h30. J'ai pas particulièrement très faim, mais il faut que je mange quand même parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin, depuis que je me suis réveillée. Donc, puis du coup, faudrait pas que je rentre trop tard parce que j'aimerais bien être, on va dire, prête pour 18h30. J'ai clairement envie d'être proche de la scène. J'ai pas envie d'être au fond. En soi, c'est une petite salle. J'y suis allée il y a 2 semaines pour aller voir Dayglo. C'est dans la même salle, donc c'est ça, c'est le théâtre Binfield. Mais je sais pas pourquoi sur Maps, ça s'appelle le théâtre Corona. If nobody would tell me to stop, I'd be dead and it won't be enough. You'd be leaving. J'ai tenté un truc en termes d'association de couleurs. Blouson en cuir bordeaux avec un t-shirt bleu. Électrique. Sur ce, je suis déjà à la bourre, donc on va y aller. Qu'est-ce qui s'est passé de cette journée? Je suis éclosée. J'ai fait un mélange de éclater, exploser. Ça n'a pas de sens, je suis fatiguée. Oui, on est allé à l'UQAM. Ça a duré 5 minutes. Ensuite, on est allé aux 3 brasseurs parce que j'avais faim. J'avais pas mangé. Ensuite, je suis allée chez lui pour visiter son appart parce qu'il a changé d'appart. Du coup, on a passé un moment là-bas. Il m'a fait jouer à Call of. Comment vous dire que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué à Call of Duty. Comment vous dire que je suis éclatée au sol. Mais bref, c'était drôle. J'ai pas envie de sortir. Genre, j'aimerais bien que le concert s'amène à moi dans ma chambre là. Faut que je bouge. Et en plus, j'ai un bon trajet de métro. En plus, après, faut que je marche. Donc clairement, je ne vais pas me changer. Parce que flemme, de toute façon, il fait froid. Donc qu'est-ce que... J'y vais solo aussi. J'ai pas précisé, mais je vais là-bas solo. Oh, je vais tellement rentrer après ce soir. 23h, je suis chez moi, je dors. Mais je sais que je vais passer un très très bon moment. Et je suis contente parce que j'y vais en connaissant un bon 70-80% des chansons. Et ça, c'est cool parce que généralement, je vais à des concerts, je connais 3 chansons sur 20. Sur ce, on se retrouve au concert parce que là, je pense que je vais faire une petite sieste de 10 minutes, histoire de... rempiche. The perfect one, and you treat me well. You say it's hard to fight. You just like to yell sometimes. Don't be afraid, you can push me away. I'll
fatiguée. On est dimanche, il est 11h20, vous l'entendez à ma voix, je n'ai plus de voix. J'ai crié toute la soirée. En tout cas, le concert était absolument incroyable. Vraiment, j'ai passé un moment absolument exceptionnel. C'était vraiment super cool, j'ai adoré. Bon, il m'a un peu fait chialer parce que... Il nous a fait des super discours avec du coup des chansons tristes et tout. J'étais en mode... Mais c'était vraiment très très touchant et c'était vraiment très cool. Et après ça du coup, parce que là on se demande mais comment tu peux être aussi fatiguée. J'ai rejoint mon pote d'enfance du coup qui était avec des potes à lui. Et du coup bah, je suis rentrée, je crois il était chez moi, il était 2h30. Je ne me suis pas couchée direct, j'ai dû me coucher à 3h30. Je crois. Donc on va se lever au lieu de glander. Enfin on va se lever. Non, parce que c'est dimanche. Faut pas abuser non plus. On va traîner un petit peu. Cet après-midi, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller me poser dans un café, faire du montage. Parce que en fait, c'est le seul truc que j'ai à faire généralement dimanche. Il faut que j'appelle ma maman quand même. Et il faudrait que je fasse du ménage. Mais comme j'ai une coloc qui dort la journée, je peux pas faire trop de bruit. Donc je ferai mes machines et tout ce soir. Et aussi ce soir, j'ai patin à glace. J'ai mon lacet qui vient de me péter dans les mains. Je viens de sortir du café, je suis évidemment à la bourre. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais par contre, il faisait une chaleur. Mais je crois que j'allais mourir. Il faisait genre, je sais pas, genre 40 degrés dans le café. J'étais rouge comme pas possible. Genre vraiment un enfer. Là, je me dirais, je patins. Je pense que j'en ai pour 10 minutes à pied. Il faut que je me change et que je mette mes patins. Donc ouais, je suis en retard.
Je suis en train de rentrer du patin et j'étais en train de me dire, là je suis au parc La Fontaine, il fait nuit comme vous le voyez, même si sur la caméra on dirait qu'il fait encore un peu jour mais il fait nuit. J'étais vraiment en train de me dire, il n'y a pas un chat, genre il y a 2-3 personnes qui courent et encore. Et j'étais vraiment en train de me dire, il n'y a que ici où genre j'ai même pas peur qu'il m'arrive quoi que ce soit, alors que je suis littéralement dans un parc immense, toute seule, il fait nuit, il n'y a personne. Et je me balade comme si tout allait bien, quoi. Oh, je vais jamais être couchée, c'est impossible. Genre, c'est interminable cette soirée. Il est 23h30, je sors de la douche, comme vous pouvez le remarquer. J'attends que mes cheveux sèchent un peu. En attendant, on va faire mes petits soins du dimanche. Petit masque pour les pieds, petit masque pour le visage. Faut que je mette mes petits patchs que j'ai achetés. Je sais pas pourquoi il y a des variations de lumière. Je sais pas si... Moi, je le vois sur l'écran, mais je sais pas si ça le fait à la... à l'enregistrement, c'est trop bizarre. Bref, moi je pense que je vais vous laisser ici parce que je vais avoir la flemme de filmer. Comme vous avez vu déjà, j'ai pas filmé quand je suis rentrée, quand j'ai mangé, quand... bref, voilà. On va s'arrêter là pour ce week-end. Je pense que je vous ai déjà bien embarqué avec moi dans ces 3 derniers jours. Si ce petit vlog avec moi vous a plu, n'hésitez pas à aller liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.